sais, et je dis, alors, ça m'a rendu beaucoup de trucs cette année, je me parle de moi maintenant. Ça me fait. Oh, il est mignon. Allez, on est parti pour cette Winner's Final Chat contre Malek à Soul Calibur 5 avec le perso craqué. Alpha Patrono sur le perso, voilà. Le Justress, c'est pas un personnage. Alors, il a une dernière gars. En fait, c'est évidemment la Setsuka et Kali. La Setsuka avec un pantalon. Voilà, pour l'instant, c'est pas bien. Avec le bas des Malek, un peu fort. Heureusement, pour l'instant, Malek est bien. Avec qui passe complètement dans le step avec le dos qui passe complètement, ça c'est dans la garde, c'est dans la garde d'Alette qui s'en sort bien, qui commence à camper, c'est comme ça qu'il faut jouer à l'ancienne. On apprend aux jeunes comment ça se passe dans le jeu. Le dernier et le tournant, le coup de fouet magnifique. Malek qui prend ses premiers rounds et ses enfants à Madrid. Pour l'instant, avec la femme à Congo sur la chambre avec les gars, il est frappé. Et qui a mangé à ton de rue, il ne prend pas. Il permet d'aller à la boule de pêcheur qui passe complètement. Derrière, il cherche bien, on le ramasse. Et voilà, c'est le ramassage scolaire qui fait très 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 mal. Voilà, ça c'est très chauffé. La barre de Malek qui passe dans le vide. Le bac qui se attention, avec le bras de Malek. Malek utilisé, Malek, de la zone. Malek, il est en forme. Il est chez lui, il est au chest. Avec voilà, avec le ratissage du Bangladesh qui passe pour le grand Lena à Bakier. Malek, le chat qui rate pas sa position. Voilà, des vies de Malek qui vole. Malek qui bloque pas de 3-3-2. C'est pas grave, Lena qui va aller trop loin. Heureusement, le petit saut qui permet de rattraper le chat. Il est derrière, on ne passe pas. Frappe, le chat qui ne passe pas. En train avec derrière le CBA, si ça passe. Et il l'a mis dans le coin avec Malek qui déchante extrêmement bien. Malek qui cherche le coup de génie pour faire tout très vite. Et le ramassage scolaire derrière. Bah, attention, ça ne passe pas. Voilà le petit bâton avec voilà. Oh, 3-0 expéditif pour Malek. Grosse performance. Voilà le match qui tient. Le match qui tient. Oh, c'est très très difficile de la part de Papa Kroklos. Alors sur Malek, il a encore cherché, il a encore déchauffé. Voilà le Papa Kroklos. Pour l'instant, chat. Allez, derrière Malek. Ah, il a fait. Il peut tenter. Malek qui passe complètement, il fait très bien jouer, il va le contrôler. Malek qui saute par-dessus, mais ça suffit pas à la chambre. Il passe au très fort. La bonne attaque, la calapèche, encore. Il s'est bloqué. Ce coup, ça passe encore dans la garde. Avec le bravège, pour faire très mal, il joue la chambre. Et derrière, il ne rate pas le chose près, mais il n'est pas trop close. Il ne prend pas le premier round, il rate pas. Et Malek qui perd son premier round. C'est la fouraille pour la France, il a chopé cette chance en moi. Heureusement Malek qui cherche le milieu, il passe, il est calme avec le 3-3-2, le 2 qui passe en premier. Et encore le WSF qui est trouvé par Chad, Chad qui décale parfaitement. Il va sortir Malek qui nous fait son calibre 1 avec ce foot crush en dé. Tout le monde pourrait être sans doute pas passer dans tout ça, mais on peut être dépassé. Allez, on va le ramener, ça sera la garde. Attention, Malek qui s'enflamme au 3-3-2. Et qui ramasse le ramène sur la qui a fait tourner sa rapide avec le coup de la palette. Avec le but, grattage au sol pour se sauver. Le coup de la palette ne rate pas. Son ramasse pour vous. La Malek qui est malgré le énergie. Il se ramasse. Il se fait rentrer. Voilà le ballon qui rate. Son Jospray, la Chad. Sur ce coup, Malek qui cherche la chauffe. Qui est chopé. C'est le jeu de la part de Chad. Chad qui décale. Il trouve le long. Double le long. Il trouve derrière. Allez, la chauffe. Super mal. Oh le ballon. Rounds à 0 peut-être pour les deux matchs à 0, c'est évidemment très très bien. Enfin, rapide, les invités ne valent pas sur le Jospen là-dessus. Le Soutien n'a pas conclu. Le match est 3-B. Le Jospen avec le petit passe. Là, ça passe, ça va passer le match pour Malek là-dessus. Il va voir le final. Tout le personnage, la destinée de Chad. Gros de Chad qui ne rate rien pour l'instant. Ça fait toujours plaisir. Voilà, en plus, Steph, le coup qui passe complètement, il ramasse, ramasse juste la petite tête. Oh, le jeu qui compte. Très bien passé là-dessus. Et chaque fois qu'on va se faire plus Malek, mettez avec ce rôle d'assurance. Ah, là, c'est magnifique. Il a mis sur le deuxième coup du truc machin de Revenge. Il a mis le Just Guard qui est parfaitement passé, qui lui a permis de finir. Très gros skill de la part de Chad. Alors que Malek a tout donné, hein, vraiment pour remporter ce match, Malek qui respire un peu, sans doute changer de stage en fait, tout simplement, avec un stage avec un peu plus de mur. Qui sait qu'à faire en finale, mais avec quelle personne? Bon,
Ça joue pété, encore. Alors, on est pour l'instant. Allez, venez, c'est la main, ça va tout faire. Forcément, deux semaines. Attends, regarde, là, c'est pas qui est. Le cœur. C'est quand vous. Le cœur. Le cœur. Ah, la mec, les pendants, c'est une belle à la finalité. Bien joué. C'est le start qui passe comme dans les sardines. C'est le maître final. Vous avez le stop avec le pied. Le sauté de malade qui passe par-dessus. Le quartier. Et ça. Il prend le premier round alors que Malek va vraiment un peu donner la ronde. Sauf qu'il a atteint un psychologiquement par le match d'avant qu'il a perdu alors qu'il avait gagné pour la fin de très bien joué avec l'avant-avant qui cherche le liquide qui passe par Bah, c'est parfait, pas bien que le premier ça va arracher et il cherche derrière le derrière, c'est pas avec le Jacques, il a pas pu punir Malek. Les deux Baptiste derrière, Baptiste Baptiste. Malek qui cherche encore le ligne, il cherche à aller encore avec le Sacré. Il a mangé la tour d'avant de chair. Et au Pierre Marat, il a Chad qui ne reste pas. Oh là 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 là. Voilà, ça le marche. Enfin, le trait-step toujours très bien puni par Chad. Et là, c'est en plus peur. Ça fait fort pour qu'on puisse plus mettre le kick derrière. Il cherche un peu de l'eau, il fait un vide. Il est sorti du côté de la décalage. Il ne sait pas, il ne pas. Chad qui tape vraiment décalage. Et qui tape en l'air sur les coups de Malek avec la Chad qui cherchait derrière. La Chad pour un, c'est le sommet par Chad qui joue très bien pour l'instant avec la Chad. Il est bien fait sortir. C'est calé avec le trait. Il ne pas. En plus, ça fait où il est avec le trait derrière. Il remet. Il réussit à bloquer la Chad. Chad pour mener deux matchs alors que Malek, quel l'arnaque, ça n'a pas suffi. Malek, oh Malek qui coupe la fixe Cervantes. 2-1 pour Chad, 2-1 pour Chad. Même si le score ne le dit pas, il y a bien 2-1, voilà. Pour Chad, Cervantes, qu'est-ce que Malek va lui faire Cervantes? Il va faire une chambre risque de la chose avec Ali, mais ça n'a pas l'air de marcher. Face au skill impénétrable et encore du temps de Paul de Chad. Gagne de Chad, gagne de Chad, voilà. Avec le premier bâton, c'est le premier du style, mais ça ne va pas suffire, parce que derrière, il y a Chad son style, le fini qui le met dehors. C'est dur là pour Malek, qui tellement de personnes, qui ne réussit pas plus, il ramasse encore son lot avec le 2 mètres, qui fait énormément de dégâts sur un lot. Malek, il cherche d'avoir avancé, pour taper en ville, oh là 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 là, pour l'instant, c'est une boucherie. Chad encore, en train de frapper, boucher un mille, il va lui mettre le maximum. Oh décalage, pas frappé. Malek, il serait temps de trouver le bouton garde parce que ça se complique. C'est le bouton 1, hein, c'est la garde. Oh, encore très très bien joué de la part de Chad. Il nous fait dire, voilà, ça va partir dans le mur. Ça va partir dans le mur. Oh là 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 là. Malek, ce deuxième match, tu menais ce que j'ai fait le temps, est-ce que psychologiquement tu étais à ça pour faire une dernière dégueulasse dans le deuxième match? Un tout petit peu. Un tout petit peu, oui, ça a été le tournoi du match. Ça a été le tournoi, sinon il aurait gagné. Hein. Ah, ça, je sais pas. Mais il va revenir avec un nouveau counter-pick au moins aussi efficace que celui de Cervantes. Je pense. Voilà, Malek n'est pas mort puisque maintenant c'est la finale d'Ozer et je passe le micro à Azou pour commenter la suite de ce magnifique tournoi. Merci Azeka.
Là, on aura Dratak contre Malek. Dratak qui joue Pyra, très bon, un grand petit perso. Enfin, Malek hein, qui va continuer à jouer Ivy. Petite histoire, Dratak a perdu contre Malek en winner. Ça va être la revanche. Je passe à la télé, je suis connu. Salut. On va attendre de voir ses stades. Je suis malade qu'aller boire de l'eau peut-être. Non. On va aller prendre de l'air. Il est en chaise. Un peu de piquant courage, Malek. Cette sous, qui est pour Ivy. Là c'est les 3-6 B, ça va être dur. Allez voir son frère, on va lancer le match. Final loser. Le gagnant en prochain. Le favori du tournoi, logiquement. Il sert la main, c'est mignon. Le match-up n'est pas forcément évident pour Ivy, mais Malek montre qu'il sait gérer ce personnage-là. Je pense qu'il peut bien contrer les points forts de Ivy. Allez, il y a un point de ce coup-là. 6B, 6B, 6B chargé, 6B encore. 3B sur le poil de sœur. Je pense qu'il faut qu'il passe. Pas bien, un peu trop loin. Malek, il est plus ici, et il a coupé. C'est le coup du match-up. Bon, 6B encore, 6B, allez on continue, un coup de demi pour finir. Malek a compris comment gagner. On va pas si de ce ça serait bien. L'autre côté, je pense. Les petits coups un peu du mal. On continue, avec de l'eau. Là, il y a un autre match.
Thomas dans l'air, ça pas grand chose. Et 3 6B, bien joué, ça parle pas mal, il joue très bien. Et oui, il punit tout le 3 6B, il punit tout. Ouais, parce que le Marie Belgard, sinon la garde va un peu péter. Je dis qu'on va faire un petit 6 des 8 là, en prévention. Belgard, ah, c'est raté là par le Malek, on sent dans l'entraînement. Hein. Le mec il joue pas au jeu et il va venir 3ème au début du tournoi. Quand même, hein. On va être un peu trop près. Vraiment ce coup là, le coup magique, c'est le café. En fait, il y a bientôt pas mal de matchs, pas mal de matchs pour l'attaque. Faut pas que se réveille. 6B, c'était bien. Hein. On continue à chaque fois le match des deux joueurs. Il n'y a pas d'adaptation des deux joueurs. Mais alors, ça marche pas ça. Merci de l'encouragement pour Alec qui vient de perdre le deuxième match. On va changer de perso ou de stage, on ne sait pas encore. Un petit savantesse des familles. Un petit savantesse, on prend le père, la fille n'arrive pas. Tant que Malek a un fat club. On encourage Malek quand même, hein. Peut le faire. Allez, stage infini, première partie, il se cassera après. Alors, est-ce que Drata connaît ce match-up aussi bien que connaît Ivy? Beaucoup de zooming. Parenthèse qui est un perso basé sur le déplacement. Un très bon backdash. Il y a très cool là qui casse tout. Et il est passé derrière et en fait ça n'a pas servi. Ça a pas servi. Chop ou cul. Allez, hop, cul. C'est un back qui est très 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 fort là. Il rate rien. Et encore ce coup. Tout ce coup. Ouais, dans 6-6-B ça passe, le petit Lébusca. Ah non, faut sauter là, faut faire quelque chose, faut le garde. Faut garder l'impact. Ça dit le garde impact, bien joué. Le coup du live. Ah, la carte pex, ça va faire. Ah, il y a de nouveau, le sac. Un petit chapeau A. Le bon coup, un peu au sol. Les vestiges unis. Et le coup magique. Un dernier coup pour Malek. Pour franchir rouge, voilà, bien joué. Malek qui revient. Qui rattaque, là, il n'attaque pas, il attend pas, il y va. B est contré par Dua. Kick shot, kick shot pour Malek, voilà, un kick. Ça doit être notre regard, bien joué. Il ne rentre pas deux fois, je pense, mais. Je vous conseille utile de mettre sa garde. Qu'elle décharge totalement dans le même des autres gars. Ah, il bouge plus pas, dommage. Il y avait le round là. Il y a un 3B. Il y a la solution, le 3B là. Il y a l'équipe du pas. Le coup de cul, le mix-up, le 3B, lâche-le. Et ça tue, ça tue, ça tue. Drata qui est un round d'aller en grande finale. Et le stage change là. On a les regouts. Pas vraiment l'avantage de l'attaque. Ah non, je crois que c'est ce qu'il va tenter. Drata qui attaque, il n'arrête pas, il laisse pas la mec respirer. Il prend les c'est fini, 3-3. 3-10, bien joué à l'attaque qui remporte cette finale, loser. Malek qui finit en 3 années de tournoi. Belle performance, c'est vrai qu'il ne joue pas au jeu. Ouais, c'est bon. Bravo à Malek qui a fait un beau tournoi. Cette grande finale, alors est-ce qu'on pourrait deux micros sur la scène? Marche toujours pas le micro? Non, toujours pas. Mais les joueurs s'installent, ils font leur bouton pour l'instant. Toujours de la même équipe, Gold. Les Gold sont venus en France et ils sont en finale.
Bien joué à eux, hein. Futur fief. C'est vrai que les Golds gagnent depuis 3 ans le Sunfest. Chad il y a 2 ans. L'année dernière c'était Grok. Et maintenant peut-être Chad ou Dratak. C'était qui? Ah c'était Skill, le légendaire Skill. Donc est-ce que les joueurs sont prêts? Chad met son gant pour réussir cette Just Frame. Il joue à main dedans. Bon bah les deux joueurs sont prêts. Ils sont de la même team, hein. Ils se connaissent très très bien. Autant dire que ça va pas être à l'avantage de Dratak du match-up, mais ils se connaissent bien, donc il y a moyen que le tir Dratak reset. Et donc là, Chad qui commence bien, petite grosse finale avec le AA qui passe. Oh là là, bien joué la position de l'équipe avec le 2-3 6B là. Aïe aïe aïe, ça nécessite de dans le ventre. La chambre A, hop, non prêt pour terminer. Premier round pour Chad. Là, il vient rentrer dans son match, dans cette grande finale là. Il va falloir que Dratak donne tout pour essayer de gagner. Au moins qu'ils aient. Oh là là, le Just Guard, superbe la fin. Oh là, superbe la fin. Là, il a anticipé la garde de passe. Là, le kick pour terminer, parfait. Ah, il est complètement une biche, Chad. En ce moment, c'est vraiment le meilleur joueur français actuel. Hein. Il gagne tout sur son chemin. Il n'y a personne pour l'arrêter. Oh bien joué là, encore la position sur du Loki 4-2-3-6B. Oh superbe de guerre dessus avec le 2-3-6B. Allez, à la relevée, la chope, ça passe pas. Bébé, ça passe pas non plus. Oh là là, dommage, la position chope aussi 6B avec le 2-3-6B. Allez, il faut confirmer, il prend le premier round. Oh, voilà, c'est bien. Dratak prend ce coup. Je dois avoir gaffe avec un papa trop, ça peut venir très 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 vite. Ah, il y a le 2-3-B qui passe punter à 1B. Ça passe dans la garde pour l'instant, ça se regarde. Ah ah. Oh le 3-3-B encore avec la voie derrière. Et 1-1-B, c'est baissé, ça va faire mal. En bref, allez, le dernier manuel. Et il prend le kick. Premier match pour Chad, ça va être compliqué pour Dratak, hein, vraiment compliqué. Ah là là, oh là là, le but, ça m'a pris malheureusement encore le 2-3-6-B sur le petit outil. Et bien la phase sur sa punition, hein, mais malheureusement, à la phase devant, ça fait beaucoup plus de dégâts. Oh là là, là par contre, Dratak qui tombe très bien son adversaire, là, il lui met une pression, le 2-A, le 6-B qui passe par là. Oh là là, bien joué ça, oh le dommage, le BB qui n'a pas touché, ça a touché, 2-A. Allez, le dernier manuel pour regagner là, le 6-B t'a pas réussi, ah 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 ah. Aïe aïe aïe, c'est parce que ça va revenir avec Chad, attention là, bien joué le 9 kick. Allez Dratak, il faut confirmer. Dratak qui peut remonter là quand même. Et il faut qu'il remonte. En plus c'est Calibera. Voilà, il est trop avec ça. Dratak, il y a des gens en sous Calibera qui disent que Dratak il était nul, hein, quand même. Et on joue en finale. Alors en fait, c'est pas la même chose. Dans le monde, donc notamment Happy. Happy, une personne avec une grande bouche hein, dans cette communauté. Hein. Oh, bien joué, Il met il presse très bien hein, ce Dratak. Aïe aïe aïe, par contre ça la chope quand ça passe pas, on crache pas, il met la sauce. Ça fait mal. Il va sur un mal game perdu. C'est un mec de aussi, il est encore pas toi. Il monte plus. Ah bah. Il monte plus que bien avec ses coups. Oh là là, c'est plus mal, c'est mal. Il monte plus vite en plus. Bien joué, reste derrière. Merci bien les gars. Quand vous êtes dans le jaune de la CIA, c'est la mort. Il n'y a
pas à chercher. Ouais. Si Caliber 5, un jour, on peut trouver un petit coup de merde. C'est pour, voilà, exactement. Ouais. Le coup est typique. Non, je vous le pense. Oh non, faut pas se laisser sur le site. Oh, il y a. Oh, il y a un game, ça passe pas si, malheureusement. On verra, ça va pas dans la merde. C'est le jeu. Oh, il se met à tout. Il y a un petit peu de. Superbe la part de Gratac. Allez, Gratac, faut continuer comme ça. Ah, oui, là, parce que le stade infini, ça fait pas trop à la part d'Anglos. Oui, exactement. Le deuxième mur et le deuxième ring out. J'adore ça. Alpha Patroclos, il est très fort partout, mais alors il est encore plus fort quand vous avez des ring out. C'est dégueu. Parce qu'il amène très rapidement au mur. Et au niveau ring out aussi, bon, les ring out, c'est la mort. Hein, donc, Et Zoom Combo, vous avez exactement. Oh, bien joué, ça. Ouais, c'est pas mal. 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 Ouais, c'est le seul à faire quoi pour le coup, ça veut dire ça. Tous les combos les plus craqués du perso, il sait le faire et il est refait en match. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Hein. C'est le perso, sûrement, le plus dur à jouer là. C'est vraiment le plus dur à jouer. Il y a beaucoup de timings difficiles et en tout cas, faut pas se rater. Hein. Et sinon, on peut prendre cher. Chaque fois qu'on voit un couloir fait, en place, c'est un Henry, deux frères, on fait deux frères pour le couloir. Donc, je sais pas si mais une fois que vous jouez parfaitement, ça devient hyper cruel. Hein. Vous faites une erreur et vous êtes mort. Voilà. Les Japonais disaient à l'époque que le meilleur perso, mais si tu rates bien. Mais pour eux, c'était pas possible de rien rater. Oui, exactement. Et chaque fois, carrément le contraire. Vous allez arriver, il a dit ça, les gars, je vais le combo. Oui, voilà, exactement. Et on est fait un Sagan, on est en gros, avec tous les défis, tous les tournois, il n'y a personne pour lui. Allez, on va remercier le plus gros messieurs là. Chaque mène quand même 2-1. 3-2-1. On le voit à la face là. Pour qu'on puisse prendre la garantie. Oh, il y a un coup, il y a la main là. Bon, on est ça. Il a bien bourré. On se regarde un petit peu là, c'est très bien. Attendez-moi, ça reste très prudent. On est un peu plus possible. Ah, voilà, on est dehors. Ah, ouais, c'est bon. Attention, on ne se pas. Il n'y a pas de punition. Oh, dommage, il n'y a pas de punition. C'est une chance et une punition à l'ombrelle. Voilà, exactement. C'est pas évident à faire, ça non plus. On change de stade encore pour l'attaque. C'est clairement un meilleur stade. Surtout même en termes de punition, mais il est très très bon, un chat. Il va faire un. Les stagnes ombrelles, il est là. La punition à l'ombrelle, c'est vraiment déjà très dur. Ça sort vite, mais c'est vraiment très dur à faire. Mais lui, il arrive. Ah, oh, un bébé, bien gardé. Ah, il y a encore le grand bébé qui bouge du genre. Il faut pas prendre coup là. Il faut bien résister. Il faut pas avoir peur de ces anti-steps. C'est pas ce qu'il y a de plus chez lui. Ça amène au dégât. C'est chiant, mais ça n'aime pas les dégâts. Exactement. Il faut faire énorme le step, tu vois, gauche de préférence. Et on a essayé de faire beaucoup de sur la gauche. C'est très bon, le problème c'est qu'on n'est pas tous parfaits et on ne peut pas faire aucune erreur. Le problème c'est que faire une erreur, pas trop, ça part de chat. Par exemple. Voilà. Exactement. Il y a ça à lui qui adore ce combo-là.
faut vraiment pas trop fort quand vous êtes dans le jaune et qu'il a une barre, ça devient très compliqué. Parce que vous voyez, si vous prenez un 2-1, vous êtes mort. Et un 2-1, c'est un coup. Donc tout le monde se prend des 2-1, c'est rapide. Hein, et puis, il y a la barre. Oui, c'est bien. Il y a la barre. Bien joué ça. Pas touché. Et le 6-6B est touché. Ça va peut-être commencer un peu à communiquer. Ouais, ça va. Après, c'est le grand final de Scalibur. Victoire de Chad qui remporte ce Stockfest. Il confirme sa domination sur la scène française. Actuellement, il n'y a personne pour lui. Un grand revoir pour Chad. Alors Chad, un mot sur ta victoire dans ce tournoi sur Calibur. Je suis bien content d'avoir gagné. D'avoir bourré surtout Happy, bien correctement, ça m'a fait plaisir. Voilà. Non, sinon un tournoi super intéressant, avec du level. Là, voilà. Et c'est un plaisir. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup, Dratak, pour cette deuxième place, hein, quand même. Alors, toi, dis l'un des joueurs les plus nuls de la communauté. Ça veut dire que le niveau est très très bas, pour le coup. Surtout un certain mec qui rigole, là. Vous prenez pas la caméra, vous jouez, là. Le mec, là. Le mec qui est même pas capable de just guard un 8B12-4 Pyra. Hein. Apparemment, c'est un truc, genre, n'importe qui est capable de just guard. Bon, sauf lui, là-bas, apparemment. Il n'y arrive pas. Ouais, même Alec, je joue pas. En tout cas, merci à vous deux. Merci, bravo pour le top 3. Et on va vous donner vos lots. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, le lot pour Malek, 3e de ce tournoi sur Calibur 5. Bravo. Les mots champ. Evochef 2009, toujours présent, toujours là, un peu plus barbu qu'avant, mais... Ensuite, le deuxième, Dratak. Voilà. Dratak qui fait deuxième avec son tuto qu'on va voir. Le premier, Gold de Chad, l'imprenable Gold de Chad, bravo pour ta première place au Stunfest. Le Stunfest à sous Calibur, dominé par les Gold hein, quand même. Hein. Depuis 3 ans, il n'y a que la Team Gold qui gagne le tournoi sous Calibur à Boston Fest. Ouais, c'est vrai. Ouais, bravo messieurs. Et on va, je vous espère vous voir pour l'année prochaine au Boston Fest. Et notamment pour représenter. Voilà. Et bah merci beaucoup au public qui a suivi ce tournoi sous Calibur 5. Et à la prochaine. Et comme le dirait encore le Street Fighter. Yeah, brother!